Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. Mais je l'ai traduit d'abord. You know, it's like to have bread on the planche. Okay. But what's the meaning? You have to tell me. Avoir ta faim. Ouais. T'as la dalle. C'est pas ça? Ma mère. Une piste? Quand tu poses une piste sur la planche, tu dois couper. Ok. Donc, tu veux découper quelqu'un, je veux dire, c'est. C'est quand. Je sais pas, t'as quelque chose et tu veux avoir le contrôle sur quelque chose. Une piste parce que c'est vraiment. Quand on arrive à l'entraînement, on pourrait dire, on se dépêche les filles parce qu'on a du pain sur la planche. Ah, on n'a pas beaucoup de temps, il faut. Oui, voilà, parce que les pains que tu les mets sur la planche, ça brûle. Donc, tu ne peux pas les laisser longtemps. Donc, c'est un peu ça qu'il n'y a pas beaucoup de temps. T'es pressée? Oui, un peu. Attends, t'avais dit avant quelque chose de coupé. Non, non, c'était bien. Ah, il y a quelque chose qui t'attend dehors, quoi. Il faut que tu te dépêches. C'est un peu dans l'idée. Ouais, un peu dans l'idée. Mais c'est surtout que tu as beaucoup de choses à faire. Ah, ok. Quand tu as du pain sur la planche, c'est qu'il y a de la things to do, il y a de la task to do, accomplish. C'est ready to work. C'est hurry up. Oui, almost got it. Ok. La tête, rouge, dette. La tête, rouge, dette. La tête, rouge, dette. Bah, ma tête, c'est bâtard. C'est. Oui. Ça se trouve pas dit, je trouve ça un peu bâtard. Mais où je suis passé un. Et dette. Dette. Je fais penser à belge, mais je pense que c'est pas mal. C'est pas très. Ah, est-ce que c'est pas comme un peu en français que c'est genre je vais mordre les doigts ou se casser les dents genre. Quand on se dit tu t'es cassé les dents sur quelque chose, c'est quoi c'est quand t'as eu. Tu pensais que c'était ça et ça n'était pas. Is it when you think you succeed something and then you fall? Bon, c'est. Non, c'est seulement le vidéo parce que c'est. Ta tête, rouge, bête. Je t'ai cassé le dos. On se bat avec ta tête. Il est là, c'est chaud. Il est là, il est là. 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 Les dents, les dents, les dents, les dents, les bâtette, rouge, bête. Se battre contre une dent, bâtette, ouais, se battre, rouge, bête. Là, tu l'as dit, bête, bête, tic. Ok, battre une dent, battre une dent. Il va te battre des mains. Ah, avoir une dent. Ah, avoir une dent pour quelqu'un. Ah merde! Avoir une autre vie comme quelqu'un! Non! C'est ça? Attends, t'as dit quoi? Ah, non, c'est bon, avoir une autre? Ouais, contre quelqu'un, tu sais, quand t'es un peu rancunier et t'en veux encore avec quelqu'un. C'est quand tu en veux quelqu'un. When you hate someone, is that the meaning? Ah, c'est ça. C'est pas une dent, c'est une dent. Bah, une avoir une dent. Ok, je trouve. J'ai pas de dent. Un progress, ma tête. Je vais petit je vais bien la nuit. Merci. Bien ça. Ben ouais, quand t'as vraiment, oui, voilà. Oui, donc c'était pas du tout. En gros, ça c'est quand t'es fumeur, quoi. C'était pas du tout ce que vous avez dit, c'est donc. Rien à voir. Ben
Mais ben, on va essayer de faire ça. Ça coûte pas du tout. Ça fait quoi? Maman. Mais non, les gars, avoir la chair de poule. Ah oui, la chair de poule, c'est la peau de. La quoi? C'est que t'as froid. C'est pas trop le recommencement. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre, c'est le beurre. Oui. Et l'argent du beurre. Ok. To have butter and the money of the butter. Que t'es riche, non? Parce que c'est l'argent. Ok. Avoir du beurre. Avoir l'argent. L'argent du beurre. Avoir le beurre et l'argent du beurre. Avoir le beurre du beurre et l'argent du beurre. Ben, que t'as la chance. Ça doit être quelque chose de positif, non, je crois. Non, c'est pas positif. Quand peut-être t'es en fire ou non, tu marres beaucoup de pute. Ça va être ça. Passe à l'argent. L'argent. Non. L'argent. Ok, une piste parce que. On va dire. Quand est-ce que je peux avoir le beurre, l'argent du beurre? Quand tu vas au supermarché. Si j'ai beaucoup d'argent ou si j'ai beaucoup de. Non. Ah, mais tu me fais des blagues tout le temps! Non, mais si tu me demandes quelque chose, ouais. Et puis tu me demandes quelque chose, je te le donne, puis tu me redemandes quelque chose, et puis tu dis, ça va, tu veux pas le beurre et l'argent du beurre. Ah, ok, quelqu'un qui est très. Qui demande toujours des choses et qui ne prend pas les doigts et qui donne rien en retour. Ok. On a pris une expression. Estar comme une cabra. Estar comme une cabra. Donc c'est être comme une et le cabra, je ne l'ai pas. Cabra, une chèvre. Ouais. Être comme une chèvre. Ah, c'est comme le mouton. Donc t'es un mouton. Donc tu suis tout le monde. Et non, non, c'est pas ça. Être comme. Non, c'est pas bête non plus. Espèce de chèvre. Estar comme une cabra. Estar comme une cabra. Comment? Être comme une chèvre, mais en espagnol c'est un peu. Quand tu fais des choses un peu pas normales, ça sort, tu vois, du quotidien. Tu es un peu bizarre, quoi. Mais pas bizarre, mais rigolo. Et Philippe Mou, genre. Ouais, un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Quand tu dis quelqu'un estás comme una cabra, c'est quand. Ah, genre il manque une case. Ouais. Il te manque une case, c'est ça? Ouais, t'es une folle. Et c'est quoi l'expression en. Estar comme una cabra. Non, en français. Ah, être comme une chèvre, je pense. La traduction, mais du coup, elle, ce serait, je pense, il te manque une case. Ouais.